Il y a 30 ans, les forces du mal ont voulu conquérir la Terre. Une équipe de héros répondant au nom de Gakusei les ont combattus. Les Gakusei ont réussi, en se sacrifiant, à créer une barrière entre nos deux mondes. Aujourd'hui, en 2045, la barrière se brise. Non mais regardez ça. Du pain et du cul, voilà tout ce qui les intéresse. Technivia, la cité des Kujat. Je me demande qui c'est qui dirige cette maison close. Mais c'est vous, monsieur le maire. Tu sais ce dont on se souviendra de l'année 2045 ? C'est qu'il y a eu des putes, de la drogue et de la fraîche. Et c'est si mal que ça, monsieur le maire ? Catherine, chère électrice, notre monde est condamné à l'enfer. Et nous en sommes inaperçus. Bonsoir. Vous êtes qui, vous ? Voyons, vous n'allez pas me faire le coup du... Je ne sais pas à qui appartient la maison que je cambriole. Amy, je te croyais plus douée que ça. Comment vous savez mon nom ? Je sais beaucoup de choses sur toi, Amy Argamon. Étudiante en seconde année de robotique, tu es venue ce soir pour me voler un objet en particulier, espérant le revendre à un client crédule. Je me trompe ? C'est exact. Et vous, vous êtes Julia Lautridge, un collectionneur d'art qui a fait fortune grâce à une technologie d'origine extraterrestre, l'œil de Falcora. L'objet que j'étais censé venir vous voler ce soir. Ben voilà, un peu d'honnêteté, ça fait pas de mal. Et maintenant, c'est quoi la suite ?
J'ai un travail pour toi. Quel genre de travail ? Intérêt général. C'est payé au moins. Vu la situation actuelle, deux options s'offrent à toi. Soit tu quittes cette maison avec la police, ce qui me semble assez fâcheux, soit tu effectues ce travail pour moi. Donc non, sauver le monde, c'est bénévole. Je vous arrête. Rien n'est gratuit, l'Autriche. On m'a dit que vous étiez complètement cinglé. J'en ai la confirmation. Ce n'est pas de la folie, ma chère, mais la réalité. Suis-moi. On va où ? Te montrer l'objet de ta visite. Voici l'un des sept piliers de l'univers, et en son centre, l'œil de Falcora. Magnifique. Et ça sert à quoi ? Tu ignores donc tout de lui. Son pouvoir est essentiellement télépathique. Il est un lien entre la Terre et l'ailleurs. Il réagit quand les invasions extraterrestres sont proches. Et il m'a même averti de ton arrivée. Alors, tu veux bien m'aider ? Alors, c'est donc elle ? Non mais c'est qui là ? Le nain et Barbie ? Léo, mon fils. Amy, la cambrioleuse. Saya, la vétérinaire. Et comment je fais, moi, pour sauver le monde ? Bonne question. Tu ne seras pas seul dans ta quête. Avec qui, alors ? Avec nous ! Eh ben, ça promet. Oui. Il nous reste très peu de temps pour que je fasse de vous des Gakusai. Espérant que la Terre passe encore des nuits paisibles comme celle-ci. Oui, il nous reste très peu de temps pour que je fasse de vous des Gakusai. Quoi ? En êtes-vous sûr ? Oui, les Gakusai sont de retour. Notre espion est formel. Alors, prince, ne perdons pas de temps. Frappons-le au cœur, maintenant ! Que proposes-tu, Kashim ? Du sang et des larmes. Soldats, cette nuit, la Terre va apprendre une leçon qu'elle n'est pas prête d'oublier. Nous allons prendre notre revanche sur ces maudits Gakusai. Tuez, pillez, répandez la mort et la destruction. Gloire à Sika ! Gloire à Sika ! La Terre n'était pas à prendre hier. Elle ne le sera pas aujourd'hui, pas tant que je serai là. Qui es-tu ? Une protectrice de la Terre. Une excentrique, plutôt. Tu as de la chance. Tu vas être notre première victime. Soldat, écrasez-moi ce misérable insecte! Désolée, ma belle, mais t'avais qu'à pas trouver là. Vous allez me la buter!
Pas possible, mais... Kassim, reviens! Oui, prince, j'arrive. Prochain arrêt, Université de Technivia. Bonjour. Encore la connasse de la robotique. Hier soir. Enfin, il se passe toujours quelque chose dans cette putain de cité de Technivia. Bah alors, accouche. Un couple qui se promenait dans les hauteurs dit avoir vu une grande lumière venant du ciel. Cette grande lumière venant du ciel. Sûrement les extraterrestres venus nous envahir. Vite, appelons le FBI. Tu n'y crois pas. Non, mais blague à part, j'ai du mal à imaginer des forces venues d'une autre galaxie pour nous conquérir. Et puis, qui c'est qu'on mettrait en face? Nous? La gueule! Des super-héros en collant? Des inconnus prêts à se sacrifier pour que les autres puissent vivre dans l'insouciance. Bref, des héros. Des soldats plutôt. Ouais. Est-ce que quelqu'un a l'heure? 11h22. Qu'est-ce qui est fou la prof? Vous cherchez là? Oh, oh, c'est ta mère. Ouais. En fait. Ah mais il est pourri tout en papier. Tout est. Oui mais tout est dans le pillage. Bah attends, je l'ai fait plusieurs fois, je me suis fait cramer à chaque fois. Tu mets rien dans la trousse, regarde. Tout est dans le pillage et la trousse. Si la prof nous fait une interro, je suis pas. Non, on ne fera jamais ça. Attention à la regarde. Que se passe-t-il, prince? Il nous faut agir au plus vite. Il faut détruire cette barrière. Que devons-nous faire? Ça n'est rien comprendre! Le système a détecté une présence extraterrestre en ville cette nuit. Et il ne m'a pas prévenu. Et l'œil? Non plus. Il brille comme pour annoncer quelque chose. Vous êtes sûr qu'il est fiable? Oui. C'est l'œil personnel du prince Sika. Il est relié directement à son maître. Qu'est-ce que tu fais? Repose-le! L'œil nous permet de savoir ce que Sika a en tête. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne fait pas la même chose? Tu penses qu'il nous espionne? Je ne sais pas. Mais je ne vais pas lui donner l'occasion de le faire. Je te sens préoccupé, mon fils. Peut-on avoir confiance en elle? Ah, Amy. Elle semble être intéressée, c'est sûr. Mais elle a un certain potentiel. Alors, je dois le faire. Quoi donc? Ça! Non, arrête! Qu'est-ce que c'était? Gekusai. Ça faisait longtemps. Sika. Au bout de 30 ans. Vous avez enfin découvert mon espion.
Je vous ai connu plus doué que ça. Maintenant, soyez à l'écoute. Je veux la Terre, mais celui que je veux en priorité, c'est vous, Julia Lodridge. Pourquoi moi? Je ne comprends pas. Vous le savez parfaitement. Un homme ne devient pas riche par hasard. Que veut-il dire, père? Je vous propose un échange. Vous, contre 30 jours de répit, pour cette belle planète. À midi, tu seras à la carrière nord, seul, sans tes Gekuzai, et tu seras exécuté. Détermination a permis à la paix et l'amour de perdurer dans ce monde. Hé, naïf, ne vois-tu pas que le sort de la Terre est scellé? Bon alors, c'est comme qu'on va casser du méchant. Ça pourrait devenir dangereux pour ton père. On devrait intervenir, non? Non, il nous a dit de rester là. Pour qu'on n'a pas reçu son ordre, on ne bouge pas. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Marre de jouer à cache-cache, j'y vais. Reste ici, voleuse. C'est moi le chef. Écoute, j'ai rien à recevoir de toi, surtout pas d'ordre. Une portion sans jamais faire une dorme en entier. Oh! Cette fois, il y en a marre, hein. T'as un problème? Oui, le problème, c'est que tu n'écoutes pas ce que je dis. On a des ordres. Non mais sérieux, t'arrives à entendre quelque chose dans cette forêt? À force de hurler, tu vas nous faire repérer. Ça m'étonnerait pas, on se demande qui est ce plan. Ben moi. Ça m'étonne pas. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'un homme n'aurait pas mieux fait. Tu me prends pour un imbécile. Non, pourquoi? Je t'avais dit de venir seul. Je suis seul. Non mais sérieux, tu as un complexe? Non mais tu vas pas aussi me faire des reproches sur ça? Volette! Bruce Wayne! Opportuniste! Je vais te faire la tête au carré. Bah vas-y! Peu importe. Une fois que tu seras mort, le portail entre nos deux mondes s'ouvrira. Et le monde sera à nous. C'est là que tu te trompes. Quoi? Ton répit, c'est que du bluff. D'après mes calculs, le voyage entre nos deux mondes prend exactement 30 jours. Quoi que je fasse, je sais que je vais mourir. Même si tu me tues, d'autres viendront et se dresseront contre vous. Tu croyais vraiment que je serais venu seul? Maintenant, ouvre ton œil et prépare-toi à mourir. Gakusai, à l'attaque! J'aurais essayé. À moi maintenant. Bon, scientifiquement, j'ai pas vraiment de preuve de ton intelligence. Je commence Excusez-moi. À me demander pourquoi mon père Excusez-moi. T'a pris dans l'équipe. Excusez-moi. Merci pour avoir un véritable cerveau je au lieu de tout ce flanc. Que... Toi, la l'affaire. Ferme. On devrait être plus discret.
t'avais dit qu'on devait intervenir. Attends. On meurt qu'une fois. Autant que ce soit avec classe. Tiens, meilleur plan. Ouais. Alors, Julia, ils sont où tes héros? Ils sont où? Allez, vas-y, tue-le, tue-le. Zika, toi et ton empire, vous allez payer pour tous vos crimes! Et les affreux, on va vous botter le derrière pour ce que vous avez fait à Monsieur Lautridge. Elle vient vraiment de nous traiter d'affreux. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Je serai moins optimiste que toi. Ça va, mon fils ? On gère la situation. Je vois ça. Et elle est où, Amy ? En termes d'opposition, la robotique militaire et la robotique ménagère, n'importe quoi, sérieux. C'est clair. Putain, la connasse, quoi. Non ? J'ai chier. Elles arrivent. C'est vrai qu'il y a un gamin qui s'est introduit dans le regard de la prof. Magnifique. Ouais, je savais qu'un jour, j'aurais un truc cool. C'est normal, je suis en train de te voler. Alors, voyons voir comment ça démarre cet engin. Peut-être qu'en créant un court-circuit sous le tableau de bord, je vais pouvoir le faire démarrer. Je vais y arriver. Utilise les manettes. Y'a quelqu'un ? Oui, moi. Ah, Monsieur Lautridge. Bonjour, Amy. Désolé de vous couper dans un moment aussi émouvant, mais nous avons une terre à conquérir. Oh, c'est bon. T'es pas à 5 minutes. Y'a pas le feu. C'est vrai, un peu de respect. Laissez-les parler seuls. Merci, Saya. Donc, mon fils, l'avenir de la terre dépend de toi maintenant. Ce qu'il te faut savoir, c'est que dans le passé, j'étais un Gaku Sai. Je suis Gaku Blue, soldat de l'eau. J'ai alors combattu Sika et son armée avec mon équipe. Je suis le seul survivant. Blessé mais pas mort, Sika a juré de revenir et conquérir la Terre. Agissez en équipe et vous vaincrez. Utilisez les pouvoirs des Gakusai. Pour cela, j'ai développé les Meta. Ils contiennent les données qui vous permettront de vous transformer en Gakusai. À partir de ce moment-là, tu dois exécuter mes dernières volontés. En ce qui concerne le poste de leader, oui, je sais, c'est Bruce Wayne qui a le job. Je te nomme leader des Gakusai. Comment ? Il est où ? La logique voudrait qu'il le soit. Il a encore beaucoup à apprendre de la vie. Je crains qu'il ne soit pas encore prêt.
vous êtes en train de me dire de mettre votre fils sur la touche. Et si je refuse ? Cher Ed, ce robot que tu es en train de voler à ta brillante mais détestée professeure de robotique ne démarrera pas. Et ton identité sera directement transmise au commissariat central de Technivia. Vous n'oseriez pas ! Je suis en attente de la police. Et pourtant, j'ai empêché quelqu'un de te dénoncer cette nuit. Qui ça ? Léo. Oh lui ! Oh lui, comment ça m'énerver ! Vous bilez pas, je vais m'en occuper. Il est mieux là où il est maintenant. J'en ai assez vu. Une dernière chose. Dès cet instant, tu seras Gaku Yellow. Soldat de la Terre et patron des Gakusei. Pour lui, nous serons unis. Gakuron, l'information. Je prends la momie, je te laisse les deux autres. Ok. Bonne chance à vous.